Alors, nous sommes quelques années plus tard. Pour tout savoir, le Brandebourg a hérité de la Poméranie en haut. Donc, le Brandebourg a un peu grandi. Je m'en irais bien avec lui, même si bon, maintenant je suis allé avec le Polonais qui a l'air d'avoir des soucis de rebelle. Oh oui, non, il se fait défoncer en fait. Faudrait que j'aille l'aider, mais bon. Peu importe. Donc, je vais entrer en guerre contre Gênes. Vous allez voir que. Ils sont alliés avec Milan, Cologne. Cologne, c'est dans les coins là-haut. Bavière, mon ancien allié bavarois. La Corse et surtout la Savoie. Oh, je peux prendre Nice peut-être en même temps. Et Bourgogne les protégera, donc je vais repartir en guerre contre le Bourguignon. Et j'ai vu que tous mes alliés me suivraient normalement. Ok, donc on va aller attaquer Gênes, qui est une province super riche, la Ligurie. Si vous pouvez vous en emparer, faites-le. En j'entre en guerre, hop, et je fonce. Hop. Les Danois et le Polonais me suivent, donc sont mes alliés, je le rappelle. Et seul Milan semble le suivre. Non, la Corse, la Savoie. Ah, le Bourguignon a pas suivi. Bon, tant pis. Je vais aller m'emparer de la Savoie. Dans ce cas, si le Bourguignon ne suit pas, tant mieux. Ah si, Bourgogne nous a déclaré la guerre. Ah d'accord. Donc en fait, le Bourguignon m'a attaqué en juif. Ok. Donc je suis dans deux guerres, la première guerre milano-génoise avec un bon paquet de monde. Mais alors, ils sont tous défoncés, ils sont déjà tous en lassitude. Ah, ils sont tous en grande lassitude, bon parfait, ça va aller rapide, ça va être rapide. Vous, on va vous couper en deux. Toi tu vas me prendre la Savoie. Et dans mon autre guerre contre la Bourgogne, donc contre le Bourguignon, la Provence. Donc c'est ici Clèves, Cologne, Oldenbourg et Frise. Donc quand même contre pas mal de monde. Bah, écoute, parfait, je vais vous défoncer. Bon, je suis dans deux guerres en même temps. Putain, si j'avais le choper. Oh putain, je vais le choper, il va rien comprendre. Là, il a pas de morale, je vais le défoncer. Boum! Allez, t'as perdu toutes tes troupes. Eh bah, ça se passe plutôt pas mal. Bah, si je pouvais encore booter le Bourguignon. Ouais, il y a encore 15 000 hommes en haut, je fasse gaffe. J'ai trop d'inflation. On va baisser un petit peu. Alors, Milan est le chef de l'alliance, d'accord. Faut choisir de pas trop me faire baiser quand même. On s'attaque. On va laisser le Bourguignon avancer vers le nord et après je le repousserai. Mon but pour le moment serait plutôt attaquer vers le sud. Donc là mes alliés sont en train de défoncer le Milanais. Qui c'est, c'est Alençon je crois. Non, Berry. Berry s'occupe de la Lombardie. Bon, en ce temps moi je tente de prendre la Ligurie. On a pris Charolais. Parfait. Je vais aller défoncer le province. La Provence, pardon. Oh, si je peux m'emparer de la Provence aussi. Oh, j'étais encore un gros port. Oh là là. Donc on voit que mon allié Lorrain, enfin mon vassal Lorrain et mon vassal deux fois prennent Valenciennes. Parfait. Mon allié danois. Oh, il se fait quand même attaquer. Putain, vache. Le siège de Calais. Ouais, bah Bourguignon a pris Calais. Tant pis. Donc là, j'ai repoussé. Oh merde, non. J'ai perdu un navire. Ah, ils sont mes navires ici que j'ai perdu, d'accord. Sachant que j'ai ma flotte. Elle est où ma grosse flotte? Oh non, me dis pas que j'ai perdu toute ma flotte. Oh, j'avais pas retiré d'ici parce que. Oh non. Ok, bon, j'ai perdu toute ma flotte. Oh là là, non, quel con, putain. Oh, quel con. Bon, j'ai pris Bourgogne, c'est déjà ça. Chaque fois, je suis incapable de. Pff, oh, quel con. On dégage de Provence. Non, quand il descend, bah tant pis, vas-y, descend. En Fribourg, c'est où Fribourg? Ok, j'ai battu la Provence ici. On va aller occuper ces terres. Et attendant, j'attaque ici, on va prendre Crémone. Cologne. France libère Alençon de sa vassalisation, pardon. Non, merci. Ok, on va tenter de faire quelques mariages royaux. Peut-être. Bon, c'est des improbables, mais c'est pas grave. Eh, il y en a deux qui ont accepté. Bon, je suis en train de défoncer le Milanais, parfait. Vous voyez, nous avons nos ambitions italiennes. Ah, je peux pas prendre la Lombardie, merde. Parce que c'est sa capitale, en fait. Ah, mais c'est ses vassaux, Gênes et compagnie. Ah. C'est pour ça qu'il c'est le chef, d'accord. Ah, putain, en fait, il a pris... Tout ça, c'est ses vassaux, en fait, au Milanais. Quel enculé, quoi.
Allez, on va prendre tout ça. Où sont les troupes là? J'en ai 9 là, 6 là, j'en ai 11 là. Après, il faut remonter vers le nord et bouter le bourguignon. Ok. Bon, ça se passe bien. Hein. Je vais prendre la Provence. Je vais boucher la Provence, je pense. Est-ce que je peux l'annexer? Ah, 6, ouais, je prends. Je m'en fous. Hop! Ah, je t'ai bouché. T'as bien fait pour ta gueule, hein. Fallait pas venir me faire chier. Oh putain, c'est qui m'a attaqué? C'est Freeze, ça, non? Ouais, Freeze. Avec 1000 hommes. Ah putain, Cremon, ça tombe pas, hein. Voilà. Alors, on va faire la paix avec le Milanais. Et du coup, je peux pas annexer la Ligurie. Sauf si je lui pique. Ah, faut que je regarde ça. On va monter nos troupes en haut. Voilà, là, ça se bat. Ok, le Polonais est mal arraché. Espèce de connard, ouais. On va reprendre Cambrai. Et vous faites quoi, là? S'en fout. Ah, putain. Ça va, je les ai repoussés, ces putains de zélotes de merde. Allez, on va foncer là. Non, ils me suivent pas. On va prendre les Flandres. J'ai amené mes 9000 hommes ici et on va attaquer. Qui c'est ça? Oldenburg. Non. Putain, j'arrive pas à prendre la Ligurie. Chier. Donc là, j'ai mes 9000 hommes. Oh putain, il m'attaque. Est-ce que je tiens? Ouah, je tiens largement. Putain, je le défonce. Oh. Ah non, il me défonce. Eh oh, venez m'aider. Oh non, chie, putain. Faut dire qu'ils sont pas venus m'aider, mes alliés. Hein, merci. Ok, là, on a pris Flandre. J'allais supporter l'attaque ici. Gand, c'est où? Ok, bon, le bourguignon est en train de le défoncer. Hein. Alors, le bourguignon. Charolais, c'est à moi? Non, visiblement. Ouais, la tradition, je la prends. Oh, ce rebelle en Florence. Je prendrais 4 de déshonneur. Est-ce que je les prends? Oh, je peux faire relâcher les nations, remarque. Oh putain, il avait des vassaux, ce petit con. Tu vas relâcher tes 2 vassaux. Ah, Brabant, c'est de la merde. Flandre, c'est quoi? Oh, Flandre, c'est tout ça, putain. Ça, ça me coûte. Ok, j'ai pris Ligurie. Oh, ça coûte super cher. 4 de déshonneur. Bah, l'ancienne, c'est à la France, oh putain. Ouais, je vais faire relâcher ça. Ou Brabant. Ouais, je peux lui faire relâcher Brabant. Ah, je prends le Charolais après. On va bien voir. Ah, je pourrais pas prendre la Ligurie parce que c'est son vassal à l'autre con, merde. Ah, si je peux. Ça me donne que 1 de déshonneur. Oh putain. Ah, je peux prendre Nice. Bon, je vais prendre Nice. Hein. Issa Nissa, comme dirait Nice. Les Niçois, tu vas me relâcher. Tiens, annule la Corse comme vassal. Bon, c'est pas vrai. Bon, je prends ça. Tout ton pognon. Bim. Allez, merci. Hop, Ligurie devient une province nationale, parfait, allez. Conquérir Milan, ma prochaine mission, miam miam. Bon, j'ai un mec qui est mort, ok. Hop, tous ici, et on fonce. Bon là par contre j'ai 10 de déshonneur, on va peut-être se calmer. Nivernais m'a averti. Ouah, putain je tremble, t'as une seule province mon gars. Il est con. Il faudrait que je reconstruise une ambassade en fait. Ah, je peux... Attends, je peux qu'on s'en prend, je crois. C'est pas une. Non, j'en veux pas, je m'en fous. Ouais, et non, on m'a averti, vous voyez, quand vous avez un trop haut niveau de déshonneur, ils veulent venir vous péter la gueule. C'est pas une province légitime. Peut-être que je suis en paix. Bon, moi j'ai défoncé le bourguignon. Hein.
pas jouer le fifou. On va annuler ses vassaux. On va lui faire libérer ça. Et puis bon, ouais, c'est bon. Allez hop. Je prends juste le prestige, tant pis. Et voilà une belle paix. Donc finalement, j'ai presque pas affaibli le bourguignon. J'ai juste fait relâcher Brabant. Freeze. Et je sais plus lequel l'autre qui était ses vassaux. Bon, c'est bien. Parfait, parce que j'ai récupéré la Ligurie. Regardez comment c'est riche. Je vais pouvoir m'installer en Ligurie. On peut les mettre ici. Pour les marchands. C'est de l'auto-envoi en fait. Si vous le mettez, plus vous le mettez vers le haut, plus il va envoyer des marchands. Automatiquement. Dès que vous perdez un cran. Qu'est-ce qu'il me demande le Danois? La nation de Danemark demande que vienne son aide dans le conflit opposé à la Hanse. Une guerre d'agression qu'ils ont provoquée. Bah ok. Je viens aider mon allié danois. Bon, a priori, je suis encore en guerre contre. Alors tous mes alliés me suivent. Et donc je suis dans la guerre contre la Hanse, la Suède et la Sicile. Oh bah, je vais pas bouger mon cul quoi. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, j'en ai rien à foutre. Bon du coup moi j'ai perdu tous mes bateaux. Oh mon bateau, oh, oh. Tu es le plus beau des bateaux. Les marchands se plaignent. Oh, c'est bien, plutocratie, c'est bien, ça va plein dessus. Tu es le plus beau des bateaux. Et tu me guides sur les flots. Là, c'est qui a le plus beau. Tu es le plus beau des bateaux. Ta-ta-ta-ta. Bon. On va essayer d'acheter des magistrats. Enfin, des machins. Ah, je peux commander des trucs, c'est mieux ça. Oh oui, ça c'est bien ça. Ah putain, j'ai perdu un peu en prestige, tant pis. Ah, ma distance de colonisation a augmenté. Parfait. Est-ce que je peux m'acheter un mec qui augmente ma distance de colonisation? Voilà, lui. Et je vais m'acheter un mec qui augmente... la production, peut-être, parce que je suis un peu en... Ah, quoique non, j'ai lui. Hop, plus 15%. Du coup, je peux coloniser jusque... En révolte, on s'en fout. Colonisation, colonisation, colonisation. Ah, je sais. Ah, non, c'est pas ça. Oh, putain, il y a tellement de trucs. Voilà. Ah oui, je peux même pas coloniser encore le Canada. Bon, tant pis. Ok, on va aller visiter vers le bas. Oui, je suis attaqué sur Sienne. Donc ici, vous voyez que mes deux... Non, pas ici. Les Açores sont devenus une province à moi. Ce n'est plus en construction, comme par ici, par exemple. Je peux peut-être récupérer ça. Faut que j'aille récupérer mon truc. Oh mais putain, il se fait défoncer l'Aragon, il lui reste plus rien. C'est servi le Castillan, putain. Oh, c'est vrai que j'ai un casus belli contre eux. Je vais peut-être partir à la guerre contre lui. Paix blanche, ouais, j'accepte. Oh, j'en ai rien à foutre, moi, de ton... Ta guerre de merde, le Danois. Franchement, rien à péter. Oh putain, le Vénitien, il s'est bien fait plaisir. Il est pas mal puissant, le Vénitien. Bah, Toscan, tu ne veux pas un beau mariage? Alors personne ne veut se marier avec moi. Le pire c'est que s'il refuse le mariage, vous perdez de la... des bonnes relations avec eux. Bon, peut-être que je vais peut-être choper un petit truc. Union personnelle, ah, avec Autriche, merde. Chier. Ah mais merde, défonce-le toi. Bon, bon, on va attaquer le Roussillon, écoutez. Le Brandebourg devient empereur. Ouais, vache. Oui, c'est bien le Brandebourg.
Alors, si je t'attaque, allié avec État Pontifico et Toscane. Ouais, bon, moi je risque pas grand chose. Hein. J'ai encore pas mal de manpower en plus, c'est bien, j'ai plein d'argent. Ça va peut-être construire un petit peu. Ah, j'ai pas beaucoup de magistrats, merde. Oh oui, Ligurie, vous voyez comment c'est riche. Succession contestée, Naples, Bavière, Clèves. Württemberg, Mayence, ok. Ah, mais putain, il est chiant lui. Crève. Parfait. Allez. On va aller prendre Gérone. Est-ce qu'il m'a encore. Il m'a encore bloqué, putain. Requête formelle. Ouais, mais tu vas te faire foutre. Moi, je te rends pas. Qu'est-ce qu'il demande lui? Ah non, Provence, non, Provence, c'est à moi. Oh putain, je perds de la stob. Oh chier. Bon, oh, tant pis. Ah, je peux construire une ambassade, c'est ça que je voulais faire. Qu'est-ce que j'ai eu dans les derniers? Ouais, oh, sienne. Ça baisse un peu mon niveau de bad boys. Allez, on attaque. Reconquête. Portugal. Ouais, ok. Bon, je vais pas appeler mes alliés par contre, c'est un peu con. Qu'est-ce que je peux appeler comme allié? Enfin, ni mes alliés ni mes vassaux. Quoi. On va appeler le Lorrain. J'ai pas besoin de tous mes alliés de toute façon pour péter le Roussillon. On va attaquer le Toscan là-haut. Et je vais appeler le Breton. Ça t'en passe. Ah, j'ai un slider. Liberté, c'est pas trop mal comme truc. Morale des armées plus 0,20, ouais. On va aller vers liberté. Perte de contrôle. Ah putain, je prends encore la storm. Non, en production, j'ai du mal, vache. Je suis pas. Ouais, puis faut que je foute tout en stab maintenant. Ouais, laisse tomber. Bon. Ah, le portugais m'attaque au labour, attention. 14 000 hommes, cette espèce d'enculé. Je peux pas y aller ici. Bon, on va l'attaquer lui. Waouh, tu me fais trop mal. On est en train de le défoncer. Est-ce que j'en ai un de dispo? Merde, j'ai pas de chef de dispo. Ils doivent être ailleurs. Bon, tant pis. Tu veux pas t'aller avec moi le Nivernais? Non. Ah, Clève, toi tu te maries avec moi. Du coup, ma stabilité est quand même pas mal basse. Les clergés, non, dogmatisme c'est chiant. Innovation c'est bien. Oh putain, mais je perds tellement de trucs, chier. Bon, allez, on l'attaque. 12 000 hommes sans général. Oh, puis un moins 5, bon, je vais peut-être me faire défoncer. Oh non, vous voyez. J'ai beaucoup plus de morale que lui. En fait, il est nul le portugais, mais. Ah, quoique, il est en train de me. Il y a un meilleur maniaque. Ah, bah, je l'ai battu. J'ai perdu beaucoup de troupes par contre dans l'affaire. Un peu gênant. France cédera Roussillon. Ah non. Ça va être l'inverse mon gars. Vous voyez, avec la France c'est pas trop compliqué, le jeu est assez simple. Parce qu'on connaît d'autres pays, c'est beaucoup plus dur. Déjà si vous prenez un pays avec une seule province. Suite un autre monde. Ah, personne ne se marie. Ah, la Croatie c'est duel. Alors j'ai pris les Pyrénées, j'ai pris Gérone. Gélona. Oh, puis ça me coûte 0 en machin. 0 en déshonneur, c'est parfait. Pyrénées, ça me coûterait 4.
Taperai à 11. Ah, ce serait pas mal, ouais. Ouais, je me sers. Merci, Gérone est aux Pyrénées. Ah merde, je suis encore en guerre contre le portugais. C'est lui le chef de l'alliance. Oh là là, il y a une paix blanche. Oh non, je vais pas me battre contre le portugais. Pff, oh là là. Ah, bâtard. C'est qui? C'est le portugais, oui, il se fait défoncer. Ah, ça fait une belle France quand même, hein. Faut que je bouffe un nouveau. Un nouveau pays, je pense que ce sera le Berry le prochain, ouais. Essayer de bouffer le Berry. Ou foie. Ouais, foie il est pas trop fort. Je vais bouffer foie plutôt. Envers, est-ce que j'ai. Oh putain, 34. 34%, c'est pas beaucoup. Le nœud de Novgorod, c'est trop faible. Le nœud, ça c'est Ligurie. Ligurie, c'est chez moi. Oh, ils appartiennent au centre de l'Ubel. D'accord. Bon, bon, on va attendre, hein. Écoutez. Pise. Non. De toute façon, oui, je suis à 4% contre eux. Qu'est-ce qu'ils proposent en attendant? Ouais, d'accord. Ok, bon, bon, on va attendre pour un petit moment. Merci, enculé d'Écossais, putain! Excommunié. Ah, ça c'est parce que je suis en guerre aussi avec le pape. Grave chier, putain. Excommunié à cause de gros con. De suceur d'anglais, quoi. Ah, putain. Ça baisse pas, ça. Oh là là. Alors, j'ai vu que le Castillan était en guerre contre l'Angleterre. C'est marrant. Castillan en guerre avec Angleterre, Angleterre en guerre avec Castille. C'est bien, ils ont pas d'alliés. Ni l'un ni l'autre, mon allié. Et donc l'anglais est en train d'attaquer en Afrique. Bon, moi, je découvre un peu l'Afrique. Avec mes bateaux. Et j'attends toujours que le portugais me propose une paix honorable. Ok, peace, c'est bon, je fais la paix. Ah merde, il y a ces bateaux là où il va me les défoncer les miens. Parce que j'ai rien ici. Oh, côte de Guinée, super. Quelle joie d'avoir découvert cet endroit. Vanille, génie militaire. Ouais, vas-y. Bon, niveau 2, il est lâché. On va construire. Ah oui, un petit peu plus d'impôts. Oula, île de France, vas-y, construis-moi un atelier ici. Oh oui, miam. En Provence, ouais, un poste de police, parfait. Mais il a pas tué. Parfait. Ah merde, j'ai tellement dépensé. Merde, c'est le coup. On est en mai. Oh putain, je risque pas de toucher mon argent. Voilà, je vais encore prendre plein d'inflation, fais chier. Ah, quoique je peux lever des impôts de guerre. Ah oui, attends, j'ai des impôts de guerre. Pourquoi moins 7 par mois? Ah merde, non, moi, laisse tomber, ça m'a fait un emprunt. Ah, puis mon inflation qui baisse pas. Voilà, j'ai un peu de soucis de monnaie là maintenant, c'est un peu gênant. Bon, le Porto, s'il te plaît. Porto, il fait comme son allié anglais. Comme sa pute d'allié. Oh putain, l'Autrichien, il faut que je fasse gaffe. Il est quand même pas mal grand. Ouais, c'est un petit peu présomptueux de se marier avec l'autre, quoi. Ah oui, foie, fallait que je bouffe foie. Je vais aller récupérer mes troupes là-haut. Le Milanais, il a plus rien du tout. Quand est-ce que je pourrais aller en guerre contre lui?
Je sais même plus. Ok. Découverte détroit de Kabok et Micmac. Regardez. 1474, mieux que Christophe Colomb, j'ai découvert l'Amérique. Eh ouais. Oh bah attends, tu perds rien. On voyait nos colonisateurs ici. France libère à foi, oui bien sûr, tu peux toujours rêver mon gars. Et on va pouvoir découvrir l'Amérique. Puisque comme dirait Joe Dassin, l'Amérique, l'Amérique, je veux l'avoir et je l'aurai. Amérique, l'Amérique, je veux l'avoir et je l'aurai. Waouh, le pape écossais lance une croisade contre le Maroc. Écoutez, de Slowvolt. Oh, je suis attaqué par des sauvages, attention. Des sauvages. Tous des sauvages, commençons le carnage, battons les tambours de guerre. Oh putain, merde. Putain de Portos, on va venir te péter la gueule. Alors. C'est bien, on découvre, on découvre. Ok, on va aller là-haut. Quedesh, ok. Ah, on va rencontrer les Apaches. Les Apaches de l'OM. Comme dirait René. Ah bon, t'as défoncé, connard. 27 contre 12. Bon. Quoi? Ah bah attends, mais il a sauté sur Madère. Ah enculé. Penacook. Vous voyez ici, là normalement il y a des Indiens. Alors je sais pas quelle... quelle tribu. Ouais, j'ai découvert le Massachusetts. Alors j'ai 75 de prestige. Est-ce que... Ah, union personnelle avec France, le Mecklenburg. Ah, ce serait bien ça. Je dirais bien intéressant. Freeze, tu joues pas te marier avec moi? Oh non, tu joueras pas autre. Accroître l'affluence. Ouais, on s'en fout. Ça sert à rien. Pise. Ah non, t'es mon ennemi. Toi aussi, t'es mon ennemi. Et tous mes ennemis. Tu veux te marier avec moi, l'Autrichien? On fera des enfants. Je serai sage. Ah, il vous faire foutre, quoi. Un jour que dans stab, putain, ça met tellement de temps à remonter. Plus votre pays est grand, plus vous avez du mal à faire remonter votre stab. Le commerce, je suis à 10, on va peut-être stopper déjà le commerce. Puis gouvernement aussi, je suis un petit peu. Voilà quoi. Je rappelle que vous pouvez investir en cliquant ici pour dépenser 200 points à chaque fois. Le Toscan, non. Ah oh, putain, me dis pas que l'anglais. Oh. Pff. Et voilà. Le gros con anglais se ramène. Ah oh, putain. Tu veux pas laisser ta pute tranquille? Oh là là. Quel chiant. Ah, ce sont les Iroquois. Donc, le peuple en haut, ce sont donc les Iroquois. Ils ont l'air d'avoir un gros territoire. À mon avis, ils ont peut-être bouffé les autres. Parce que généralement, en haut, normalement, il y a trois peuples là. D'Iroquois, je sais plus qui, Apache et je ne sais. Je ne sais quoi. Parce qu'il y a quelques peuples qui traînent un peu en Amérique, on va dire. Mais très peu. France paierait 95 ducats. Ouais, ce serait pas mal, plutôt que ça je campais en fait. Mais bon, non, faut arrêter d'arriver.
Bon, moi je vais appeler mes hôteliers. Ça commence à me casser les couilles, hein. État pontifico et toscane. Oh là, mais l'anglais, mais qu'est-ce que tu viens faire chier, l'anglais? T'as plus rien. Dégage. Et ouais, ce petit con, il débarque tranquillement en Vendée. Eh ben, on va venir te péter la gueule. Hein, écoute. Allez. Le portugais, il a perdu tous ses hommes et l'anglais. Ah merde, j'ai encore perdu un. Ah, c'est mon explorateur qui est mort, merde. Ah oui, j'ai besoin de j'ai besoin d'argent. Je rappelle que j'ai encore un prêt à rembourser. Où est-ce qu'on rembourse nos prêts là-dedans par contre? Ok, j'ai peut-être pas de prêt. J'ai cru que j'avais un prêt. Et on a découvert Erie. Ouais. Il s'est barré où l'anglais? On l'a buté? Putain, quelle faiblesse du mec. Oh, il aurait dû voir débarquer. Défense de fort, non, ça m'intéresse pas. Alors là-haut, pas visible. Ah non, il y a les Hurons en dessous. Ça, c'est les Hurons, il me semble. La coloniale, c'est celle-là, d'accord. Ah merde, il est mort, mon explorateur. Quoi ça? Conversion à 6%. Hein. Non. Non. Merde. Qu'est-ce que je cherchais moi? Oui, il a recruté un explorateur. Putain. Hop. Allez, on y va. Oh, putain, mais il redébarque mon corps. En attendant, bah encore une fois, j'augmente mes relations avec Foi. J'ai peur par contre que ma lassitude de guerre augmente. Oh, putain, c'est où déjà? Je suis tellement habitué avec le... Je suis tellement habitué avec le 4. Ah merde, j'ai pas vu ce qu'il me demandait. Bon, tant pis. Ça doit pas être important. Oh god. Du coup, il est plus en guerre le Castillan. Oh merde, j'ai perdu où? Ah, j'ai perdu contre ces putains de rebelles. Ah, fais chier. Pourquoi se trouvent ces rebelles de merde? Ah non, il est plus en garde. Qui a perdu ses territoires? Ouais, il les a gardés. Qui c'est qui attaque? Le Suédois qui attaque le Marocain, tu sais. Ok, bon, on aura tout vu. Ah, c'est cool ça. Hop, reviens toi. Oh non, j'espère qu'ils vont pas crever. Non, ça va. Fais la paix le portugais, putain. Oh là là. Ouais, merde, j'ai perdu mes navires. Putain, je faisais pas gaffe. Ouais, je vais peut-être perdre celui-là. Ouais, j'ai tout perdu, allez, on va te faire foutre, quoi. Oh là là, j'ai perdu toute ma flotte, putain. Ça, faut faire gaffe, faut surveiller ses navires. C'est chiant de surveiller ses navires. Hein. Il me reste des navires quelque part. Oh, mais qu'est-ce qu'il fout en haut, lui? Hop, on va fusionner nos deux troupes. J'ai l'impression d'avoir zéro chef. Hop, oui, il est bon en manœuvre, lui. Il aime bien prendre Calais, les Anglais. Ça leur rappelle le bon vieux temps. Ah voilà, j'avais un emprunt, je le savais bien. Après, on peut pas rembourser l'emprunt directement, d'accord. Je reprends un peu. Île-de-France. Harmonisation des échelles, poids et mesures. Oh oui, c'est bien ça.
Alors, les Iroquois, on va aller voir les Hurons. Les Hurons. Pardon. Oh putain, ça se bouge là-haut. La Moscovie est toute petite. Ah, t'es avec moi, le Moscovite. Oh, tu n'es qu'un jaloux. Non, pas un embargo. Alors, l'Anglois. Oula, j'en chie contre l'Anglois. Ouf, même pas. Il fait tellement pitos. Ah, c'est les Cherokees que j'ai été voir là-haut. Que j'ai rencontré. Pas les Hurons ? Non, les Cherokees ici. D'accord. Oh, même ici. Oh putain. État pontifico. Non, merci. Bon, je vais regarder si l'anglais veut pas faire une paix. Putain, non, il en a rien à foutre, mais putain. Oh, ça se révolte de partout. C'est bon. Quelques temps après, paix blanche. Allez, je prends. Bon, me voilà donc en paix. Je pourrais attaquer bientôt Milan comme ça. Alors, Naples, Brandebourg, Venise. Il n'a pas tout à fait tort. Oh putain, non, c'est quoi ça là-haut? Ouais, il n'a pas tout à fait tort. Oh non, le Danois me demande ordre teutonique. Ouais, ça j'accepte. Et le Polonais me demande. Oh, c'est la même guerre, d'accord. Bon bah, je rejoins mes alliés quoi. Putain, je serai jamais en paix, bordel. Je suis où moi? 4 de lassitude de guerre, puis tous mes alliés sont à 14 quasiment. Vous voyez, ne pas avoir demandé au Biri ou à Foy de venir, ils ont conservé leur bonne lassitude de guerre. Lassitude de guerre faible. C'est ça qu'il faut faire. Alors, Teutonique, c'est drapeau Poméranie. Bon, il s'est fait défoncer. Putain, je t'ai dit d'aller lui péter la gueule, toi. Bon, quoi qu'il en soit, ça se passe plutôt pas mal. Mon prêt qui va être remboursé. C'est de combien le remboursement? 458, il me restera 1200. Bon, c'est bon. Je suis largement dans mes frais. Alors là-haut. Ah, il faut que je m'en fasse une flotte maintenant, putain. Vous voyez, comme ce ne sont pas des provinces nationales, Provence et Roussillon, je peux pas construire de flotte dessus. Ni de troupes. Je peux rien faire. Je vais juste passer par ici. Ok. Une cog, une galère. Une galère. Je construis pas de navire lourd parce que. De toute façon, dès qu'il y a une baston, je les cache. Ok, j'ai trouvé. Les côtes, c'est parfait. J'ai encore une distance de colonisation trop faible. Bon. De toute façon, personne m'attaque, je suis tranquille. On va se mettre bien un peu avec nos vassaux. Ça me fait bien. J'ai 22, ouais. Ça coûte un peu d'argent quand même. On se met bien. Bon, alors, c'est la guerre pourrie là. Horde teutonique. Qu'est-ce qu'il lui reste? Putain, il s'est bien. Ah ouais, c'est bien mis l'horde teutonique. Il peut peut-être former la Prusse. Paix blanche, allez c'est bon, j'en ai rien à foutre de ta guerre, je retourne en paix. Castille nous a avertis. Ouah, attends, j'ai trop peur de toi le Castillon, c'est qui tes alliés? Ah, l'Autriche. Ah, ah, ah oui, ah.